Hello, my peeps. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le papa va bien, que la maman va bien, que les enfants vont bien, que le chéri, la chérie va bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Le nièce, la neveu, le cousin, la cousine, le voisin, la voisine. Tout va bien parce que c'est ça qu'on aime. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai une petite voix parce que j'ai pas beaucoup dormi dernièrement. Et en fait j'ai voulu faire un truc sur mes cheveux à l'arrache parce que je ne suis pas coiffée. Et ça ressemble à rien, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait je suis quelqu'un qui n'aime pas faire du sport. C'est-à-dire moi, courir, faire des abdos, des trucs comme ça, c'est pas mon kiff. Je sais qu'il y a des personnes qui ont cette aptitude là, mais en fait moi c'est vraiment un truc que je le prends comme... flemme, clair, je le prends vraiment comme un effort à faire, alors que j'aime faire du sport d'équipe, c'est-à-dire tout ce qui est handball, tout ce qui est foot, tout ce qui est, je sais pas, balle aux prisonniers, des trucs, enfin je sais pas, tout ce qui est physique et qui est collectif, je vais prendre énormément de plaisir, parce que comme je suis compétitive, bah tant mieux en fait, il y a une équipe, on est là, on y va quoi, donc ça j'aime bien. Mais comme je suis seule au quotidien, j'ai besoin de trouver une routine, j'ai besoin de trouver des exercices où je muscle mon corps, où je prends soin de mon corps sans avoir l'impression de faire du sport. Ok ? Donc là, je vous partage ma routine qui est très simple, très rapide, mais qui m'aide un truc de ouf. C'est-à-dire que je ne fais pas de sport, mais bon, là, je viens de manger, donc mon ventre... voilà, mais sinon en fait j'ai le ventre plat, j'ai les fesses qui sont beaucoup moins volumineuses qu'avant, mais ça pour moi c'est pas une défaite, hein. Ma valeur elle se met pas dans mes fesses, donc mais j'ai les fesses qui restent assez bombées, qui sont pas ultra musclées, et j'aimerais bien qu'elles le soient plus d'ailleurs, donc je vais essayer de me concentrer un peu plus pour ça, sur ça, mais en fait j'ai des fesses qui restent bombées, j'ai des seins qui restent assez relevés, c'est-à-dire que même si j'ai une petite poitrine, il est arrivé des moments dans ma vie où mes seins tombaient un petit peu plus en fait, c'était pas longtemps, mais... c'était pas longtemps parce qu'en fait en tant que merchandiser vous bougez beaucoup de choses, vous portez beaucoup de choses, vous faites beaucoup ce genre de mouvement, et en fait ce genre de mouvement là ce sont des mouvements qui sont parfaits pour relever les seins et travailler en fait sur l'élasticité de la peau, donc c'est vraiment pas mal, et je vais vous montrer toutes mes petites techniques qui prennent pas beaucoup de temps et qui vont peut-être vous inspirer à peut-être aller à la gym et à faire d'autres choses ou faire des sports collectifs si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas faire du sport comme moi, ou à danser. Parce que danser, ça reste un super sport. Twerker, c'est vachement bon en fait pour le corps. C'est-à-dire c'est bon pour les abdos, c'est bon pour les cuisses, c'est bon pour les mollets, c'est bon pour les fesses. Twerker, ça reste un super sport sans avoir l'impression de faire du sport. Et c'est pour ça que pour moi, la danse, c'est égal à un sport. J'adore ça. Et en plus, je peux continuer comme ça. J'ai un problème avec la musique, c'est que je ne sais pas comment m'arrêter. Donc, cette vidéo-là, c'est pour vous montrer ma petite routine matin exclusivement. Parce que le soir, j'ai une autre petite routine que j'ai montrée dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là est longue. Donc, il se peut peut-être un peu plus tard dans le passé que je refasse une vidéo spéciale routine soir. Qui sera très rapide parce que ça ne me prend pas plus de 5 minutes. Donc, voilà. Allez. Peeps, ok. Donc déjà quand je me lève, la tête dans le cul. Voilà. Toujours de bonne humeur, mais avec les yeux de boxeur. Depuis toute petite, c'est la même histoire. Donc voilà, alors ce que j'aime bien faire, c'est juste des étirements en tout premier lieu. Donc c'est un peu comme les mêmes étirements que le soir. Je vais me mettre un peu plus loin. Donc voilà, donc c'est des étirements vraiment comme ça. Et je prends mon temps pour respirer parce que sinon moi je suis quelqu'un, je respire mal ou très peu, et en fait là c'est vraiment le moment parfait pour moi pour prendre mon temps et respirer. Voilà, ensuite je fais ça. Si vous sentez des douleurs, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps, à prendre votre temps.
Ok. Ça. Ça. Et ça, c'est un nouveau que je fais, un nouveau mouvement que je fais. Je vais juste baisser un peu la caméra. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'aime bien faire ça, ça me permet vraiment de détendre toutes mes épaules et tout, parce qu'on a toujours beaucoup de pression au niveau des épaules, et c'est vraiment important. En plus, moi j'ai tendance en fait, dès que je suis un peu assise et en privé, j'ai tendance à me tenir comme ça en fait, alors que quand je suis en public, je me tiens toujours très droite, mais quand je suis en privé, j'ai tendance à me tenir comme ça. Donc c'est vraiment important en fait de prendre du temps pour ses épaules et pour se relaxer les épaules. Donc voilà, donc j'aime bien faire ça. Ça, un de mes mouvements favoris. Voilà, ça. Ça, voilà. Ok. De temps en temps, quand j'ai vraiment mal aux épaules, j'aime bien faire des petits cercles comme ça. Des deux côtés. Voilà. Autre chose que j'aime bien faire, alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Vous savez que moi j'aime beaucoup Sadhguru en fait. Pour moi c'est vraiment c'est vraiment mon gourou. J'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Et en fait, il a mis une vidéo il y a quelques semaines, je pense que c'était il y a 2 ou 3 semaines, et depuis en fait j'ai intégré ça dans ma routine assez facilement. C'est en fait, c'est du Kriya Yoga, donc je m'y connais pas du tout en yoga, hein, je vous le dis clairement, hein. Pas du tout en yoga. Je connais juste quelques poses qui sont très importantes et je vais vous expliquer pourquoi elles sont importantes aussi. Donc en fait, le Kriya Yoga, eux ils commencent comme ça, donc ils ont une pose comme ça, avec les mains jointes devant votre cage thoracique. Et en fait, vous montez vos mains en haut comme ça, tout en haut, vous allez tout en haut, tout en haut, tout en haut, bras tendus, bras tendus, bras tendus, et vous les redescendez, mais derrière votre tête en fait. Vous les remontez tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, et vous remettez vos mains jointes devant votre thorax. Et vous recommencez ça plusieurs fois, ok? N'hésitez pas de temps en temps à faire comme ça aussi, si vous avez besoin, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai incorporé dans ma routine assez facilement. Qu'est-ce que je fais le matin? Alors oui, le matin, je fais des squats. Donc, vous savez à quoi ça ressemble un squat. Je fais des squats. De toute façon, là, on va passer à ce que je fais au sol. Donc ça, c'est mes petits étirements du matin, ok? Et donc... Donc voilà, le matin, j'ai une série de squats. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc j'ai mes squats. Je mets mes pieds bien comme il faut devant. Ok. Bien droit. Et je descends. Et je remonte. Ok. Et donc des fois je fais ça et je reste bien comme ça, ok? Et en fait des squats j'en fais maximum 10, c'est-à-dire que j'enchaîne pas les squats genre sur 40 ou 50. J'en fais 10, mais ce que je fais c'est que je vais gagner un peu de temps en restant accroupi, comme, enfin pas accroupi mais à moitié, enfin voilà, vous comprenez, dans cette pose-là, pendant je sais pas 10 secondes. Et en fait quand je fais ça, vous pouvez sentir tous vos mollets, tous vos cuisses, tous vos fesses, être en train de se muscler, ok? Il y a aussi une technique qui est vraiment bien que je faisais avant, je vais vous montrer. C'est en fait, vous vous mettez contre le mur et vous faites, bon là je glisse avec mes chaussettes, et vous faites une chaise comme ça. Et en fait, ça vous permet aussi de muscler votre ventre. Donc en fait, ma pose de yoga, je mets une jambe comme ça. Et l'autre jambe très tendue, tout ça dans le même axe, c'est-à-dire que mon genou et mon pied doivent vraiment rester dans le même axe. Et en fait, je mets mes mains vers le ciel, enfin je lève mes bras au ciel et je reste droite comme ça. Et en fait, je fais ça pendant plusieurs secondes. Et en fait, cette pose de yoga là, ça vous sert à activer un des chakras. Si vous êtes célibataire, faites cette pose-là, s'il vous plaît.
en plus de bien manger, bien vous alimenter bien sûr. Mais cette pose-là, en fait, ça vous permet d'activer un chakra et c'est le chakra de la féminité. Et donc c'est vraiment important en fait de faire cette pose-là. Et ce qui est vraiment intéressant quand on fait cette pose, c'est que c'est dur en fait de garder son équilibre pendant aussi longtemps que ça. C'est-à-dire que être comme ça, ça vous demande de vraiment maintenir votre équilibre. Et ça, c'est vraiment bien. Ça vous fait travailler aussi toute la cuisse, le mollet et un peu les fesses. Et vous changez de côté, ok? Là, je suis pas dans mon axe. Et même votre fesse, en fait. Vous allez sentir de toute façon les parties de vos corps qui travaillent. Ok. Donc ça, c'est ma pose de yoga. Quand je suis sur cette pose de yoga, ce que j'aime bien faire, c'est... Du coup... Désolée, hein. J'ai dû déplacer les cartons qui étaient là. Comme ça, ça me fait un petit espace. C'est un peu à la rage. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est me toucher les pieds. Comme ça. J'aimerais bien être beaucoup plus souple. Faudrait que j'y travaille un peu plus. Pour être honnête, j'y travaille pas beaucoup. Voilà, pour être honnête, je travaille pas beaucoup sur ma souplesse, mais j'aimerais beaucoup être plus souple. Donc je fais ça et en fait, j'en profite pour garder vraiment mes jambes tendues. Donc vous allez sentir que ça tire là, sur toutes les jambes ça tire. Vous mettez vos mains en avant comme ça. Et en fait ce que j'aime bien faire, c'est m'allonger. Ok, j'ai poussé la peau de mon match. M'allonger, je vais pas voir la passe. Ok, et en fait vous mettez votre... Cette vidéo elle ressemble à rien. Damn! Putain! Ok. Et vous mettez comme ça. Et en fait, vous tendez bien vos bras. Et vous faites en sorte pour qu'il n'y ait que la pointe de votre pied. Enfin, vos orteils de pied et vos mains qui soient sur le sol, ok? C'est-à-dire que tout le reste de votre corps se repose sur vos pieds et vos mains. Donc vous faites ça, en fait, ça vous permet un peu de détendre votre dos, enfin le bas dos surtout, surtout pour les filles cambrées comme moi, toutes les africaines, toutes les filles qui sont très cambrées, ça c'est vraiment bon pour le dos. Et ensuite, vous faites le dos arrondi. Vous pouvez faire un dos arrondi. Mettez vos mains bien jointes devant vos genoux. Et en fait, vous arrondissez votre dos au maximum, tant que vous pouvez. Et ensuite, vous faites l'inverse, vous faites une peau chien. Comme ça, ok? Ça, j'aime bien faire. Et ensuite, je fais une petite série de pompes. Donc, je sais qu'il y a des gens qui... Je crois qu'il y a des gens qui font les pompes avec les mains qui se font face. Alors que moi, pas du tout. J'aime bien avoir les mains qui sont plutôt parallèles. Donc, j'aime bien avoir mes doigts... mes doigts qui vont vers l'avant. Donc, je fais ma petite ligne de pompe. Je fais 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout. 10 pompes. Pas plus. Ok? Enfin, si vous pouvez faire plus, faites plus. Moi, je vous ai dit, j'aime pas le sport. Donc, je fais des compromis et j'essaie de... Voilà. Et un dernier truc que je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Surtout les matins où j'ai la tête dans le cul. Mais grave, où vraiment, j'ai pas beaucoup dormi. Et je sens que mon corps est réveillé, mais que mon esprit n'est pas encore là, quoi. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien faire un poirier contre ma porte. Et des fois, quand je me sens bien... C'est justement essayer de faire un équilibre, ok? Donc je vais vous montrer, je le fais très rapidement, ok? Ça dure pas très longtemps, ok? Voilà. Pourquoi faire un poirier ou un équilibre? Parce qu'en fait, juste ce simple exercice,
ça va vous obliger en fait à travailler sur l'élasticité de votre poitrine. En fait, ça va faire travailler tous vos bras. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de position-là, les seuls membres de votre corps qui travaillent sont vos bras. Donc ça vous permet, si vous êtes comme moi, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas un métier qui vous fait travailler les bras. C'est-à-dire que moi, en tant que merchandiser, en boutique, en fait, tout mon corps travaillait tout le temps. Donc même si je ne faisais pas du tout de sport, les gens pensaient que j'étais le genre de go qui allait tout le temps à la gym parce que j'avais une activité professionnelle qui me faisait monter l'escalier, descendre l'escalier, porter des choses lourdes, les monter en haut, déplacer des trucs en verre, tout. Donc en fait, mon corps travaillait tout le temps, tous les jours. Et au moins 3 heures par jour. Sans que je m'en rende compte. Et en fait, maintenant, je n'ai plus ce genre d'activité. Donc j'ai besoin d'essayer de maintenir certaines activités sans avoir l'impression que je fais du sport. Sans avoir l'impression que mon objectif, c'est de... Voilà, c'est je fais avec le plaisir. Ça me permet d'éveiller mon corps. Et ça me permet de prendre soin de mon corps sans avoir l'impression que je suis en train de travailler. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment important de faire le poirier parce que du coup, ça aide au niveau de l'élasticité de la poitrine et ce genre de choses-là. C'est ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez kiffé. On reste connectés, mes chéris coco. Il faut me suivre sur Instagram. J'ai 2 Instagram. Utopie Paris, c'est moi qui le gère. Pyramide Noire, ça va être Anissa qui va se mettre au taquet sur Pyramide Noire. Venez lui montrer un peu d'amour parce qu'elle se lance dans les réseaux sociaux alors qu'elle n'a... Son Instagram, il n'y a que 2 photos à elle en fait. Donc elle n'a pas trop l'habitude d'Instagram. Donc venez lui montrer un peu d'amour et des trucs comme ça. Donc voilà, suivez-nous. Aussi, on a une nouvelle veste qui vient de sortir qui s'appelle Guru Fort Fort. Oui, ça veut dire quelque chose. Oui, il y a une signification. Oui, il y a un meaning derrière fort, fort. Gourou, fort, fort, ok. Donc en fait, c'est le nouveau gourou qui est rouge, noir et argenté, qui peut être customisé. Pour le customiser, il faut m'envoyer un mail avec l'adresse mail qui est en bio description. Si vous voulez vous abonner à la newsletter pour tout ce qui est info, promo, on a des bons plans aussi. Tous les bons plans qu'on a, on vous en partage un dans la newsletter. Des bons plans qui n'ont rien à voir avec la marque, hein, c'est-à-dire des bons plans sur d'autres trucs. Donc voilà, on vous partage tout ça. On vous partage aussi les vidéos, les articles. On rajoute un peu aussi la petite information qui n'a pas été publiée et on vous partage des citations. Ouais. Donc voilà, on fait ça avec amour et en plus ça va être traduit dans 3 langues. Donc il n'y a plus d'excuses de genre oh, je ne parle pas anglais. Là il y a français, anglais, espagnol. Que demande le peuple? Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous pensez que ça peut servir à vos copines qui sont comme moi, qui n'aiment pas le sport, mais qui aiment bien avoir être un peu fit, ok? Partagez, likez, commentez, dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, ce sera avec plaisir. Je sais que je dois faire une vidéo sur les voyages, sur les relations toxiques et... Voyages, relations toxiques, ah oui, l'astrologie, ça vient bientôt. L'astrologie, ça vient bientôt. La prochaine, ce sera l'astrologie, ok? Je vous fais des gros bisous. Namasté. Bye.